Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4 avec Macrintor. Salut tout le monde. J'enlève la pause. Donc on reprend notre petite partie. Custodianship of Ghazni. Mon bran, le God is good, non, vas-y, donne-moi du mysticisme. Bourgogne, c'est une Namur à Liège. Ouais. Je vais aller regarder vite fait ce qui se passe là-bas dès que mon armée est arrivée. Je suis déjà allé en Belgique. Ben, y a un truc qui est impressionnant, c'est que ben, je suis parti de la partie flamande. J'ai la partie flamande, je demande mon chemin à un mec, je lui parle un peu en français hésitant. Le mec il me regarde, il me calcule pas, il regarde la voiture à côté avec une plaque française, et là tout de suite d'un seul coup, je vois qu'il commence à me parler, à m'expliquer tout et tout. C'est là que j'ai compris, il a cru que je suis un putain de francophone wallon. Ouais, mais c'est impressionnant, quoi. Ils peuvent pas se voir entre eux, quoi. C'est catastrophique. Tiens, t'as l'Ottoman, ils ont guerre contre qui? Contre la Bosnie. Bon, en tout cas, je suis content. L'Ottoman, il s'est fait attaquer. Je suis nul l'aider. Donc là, il va me kiffer ma mère. Ah oui. Après, ce qu'il faut être le plus important, c'est vite, c'est monter à 95 de trust. Parce qu'une fois qu'on a 95 de trust, les mecs, ils peuvent plus. Ils peuvent plus nous mettre plus en rivaux. C'est ça. Mais moi, ça m'arrivait à 94, quoi. Quand ça t'arrive, en général, tu as les. Tu es les boules, comme on dit dans le milieu. Ah, l'empereur a fait une réforme. Ah, c'est la première en 1476, ouais. Musasha, il fabrique des clems chez moi. Comment dire Musasha, va falloir qu'on t'explique des choses. Donc, Transoxiana, ça ne dirait pas de redevenir mon... Ah non, on arrive. Il allie avec qui? Kazan, Hormuz, Delhi et Multan, ouais. Là-bas, ça se met sur le coin de la gueule. Là-bas, la manpower. Ah ouais, la manpower remonte un peu. Voilà, j'ai coré. Donc, il me faut 7000 hommes de manpower. Je les ai pas encore, je suis à 6007. Et dès que je vais les avoir, je vais reconstruire mon armée. Enfin, construire mon armée, on se comprend quoi. Allez, 1er janvier. Baltistan. Ah, bah c'est pas grave. Voilà. Ma deuxième armée, parce que c'est vrai que je me suis pris un Sakwaï par contre le. Ah oui, c'est vrai que t'es pris un Sakwaï, c'est vrai. Marketplace terminé. Voilà, j'ai deux marketplaces terminées. À Téhéran. Ifsan, c'est vrai qu'Ifsan. Voyons, c'est où? Non, c'est là. Quoi ça? Trade value. Mais non, c'est moi la trade value. Le trade. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Ah oui, il faut que je prenne Bassora. Comme ça me permet de réorienter le marché au nord. En Perse, bon, il y a déjà tout le marché qui va en Perse. Et après, le Perse de Perse. Ah ouais, putain, je capte bien le marché en Perse. Il n'y a que un Ducas 51 qui partent vers Alep. Meuve 15 vers le légalisme. Ok. Parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ouais, pour les conversions. Bon. Et ben, je vais buider mon marché là-bas. Ça me coûte 200. On prend. Ouais, la perche, je vais faire tout ramener là-bas, tout rapatrier. Là, je ramène déjà une partie par là-bas. Là, va falloir que je rapatrie. Ça, c'est quoi? C'est à qui? Bon. On est plutôt pas mal. J'ai 14, j'ai 28 000 hommes. Combien je peux monter d'armée en force limite? Bah je sais pas vu que 41 000 hommes. Ah d'accord, bah, je vais me faire deux armées de 20 000. 16-4, 16-4. Mais le problème de Timouride, c'est qu'en fait mes provinces sont tellement pourries.
c'est que je peux pas monter, je peux pas avoir deux armées de 20 000 quoi. Je suis obligé d'avoir genre quatre armées de 10 000 parce que sinon je me bouffe de l'attrition. C'est ça. Même sur mon territoire, tellement c'est la merde. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est. Ah, mais c'est une bonne nouvelle ça! C'est du con, il est mort! Boulet, il est mort! Bah, il est mort en entraînant quoi. Dommage! J'ai pas un leader là, alors Fofogen, non. Bon, on va raqueter un leader au Zamir, Grand Generalship. Et vous gagnez de l'influence, ça c'est une bonne chose. Ah oui, c'est vrai que comme ils ont de l'influence, j'ai. Blablabla. Ah, pas mal en plus. Comme il a de l'influence, comme on leur donne de l'influence, 67, je suis passé à maintenant recovery speed plus 20%. J'étais à plus 10, je suis passé à plus 20. C'est pas mal. Et si on passe au-dessus des 60, les mecs, ils ont l'un de maintenance modifier moins 10. Oh, ouais, ça, c'est la loyauté, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a deux notions. Il y a le mélange de. C'est-à-dire si vous avez 49 de loyauté avec 70 d'influence, je suis à plus 20 de maintenant recovery speed. Mais si mon influence était en dessous. Donc en dessous 70 je crois, on n'a pas plus 10, mais on n'a pas plus 20, on a plus 10. C'est un espèce de tableau croisé, de tableau double entrée quoi. Et en influence, on peut. Faut pas que ça dépasse les 100%. Donc pas grave de leur donner de l'influence. Les 10 000, je leur filerais bien une province. C'est où il y a les orastres, enfin les autres là-bas. Les religions, on va mettre l'écran des religions. Sayaz, je crois que c'est des orastes. Je leur filerais bien ça au Dimi. Ah, mais ils vont peut-être faire la gueule, les amis, si on leur enlève. On le donne au Dimi. On donne aux Dimi, voilà. Comme ça, les mecs, ils ont un peu de territoire, ils sont contents. Les Dimi, je crois que ça fait qu'au final, Yazd ne m'apporte plus de... Malus religieux. Yazd, c'était du Zostran, voilà. Il me donne plus de... De quoi tu m'as dit? C'est du malus religieux qui se donne, non? Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est du mysticisme qui me faut, l'autre, il m'a fait du légalisme, ce connard. Je suis à 0,4%, quoi. Oh putain, il vient d'arriver sur le trône, ça y est. Il y a 15 ans le gamin. Nouvelle religion, tu vas prendre quoi? Plus de forces missionnaires, parce que je viens de convertir les sauvages. Les sauvages. Bon, moi j'ai ma cavalerie. Mais putain, je veux juste... Ah merde. Fait chier ça. Bon bah je suis obligé de prendre mon... Oh, je suis à la bourre en technologie administrative, c'est catastrophique. Oh, bah Mani est en guerre, regarde, il s'est pété les dents. Ouais, c'est un peu la pute de l'Inde maintenant. Oh le Bamani. Ah oh, oui, beau, par qui? Par Jaipur. Jaipur c'est quoi? Ouais non mais non non, il se fait occuper mais le Bamani occupe Jaipur. Donc Jaipur il va faire... Je t'ai fait la paix. Parce que Jaipur il est... Ouais, c'est Bamanis Conquest of Jaipur, il l'a lié avec... Je regardais vite fait la guerre. Ah, quoique, Bamanis, il... Attends, guerre contre Bamanis, pas encore. Non, ça, c'est les... non, je confonds avec les diplomaties. Bamanis, il est... Rassure-toi, dans un an et demi, je suis à nouveau en guerre avec lui. Il est en guerre contre Orissa, Jharkhand, Kenjar, ouais. Combien j'ai d'ailleurs en... On va tout à la vitesse 3 pour le LOL. Ouais. Sistan, je vais l'annexer. De toute façon, le pauvre, il est tout seul, il est paumé là-bas. Je pourrais pas le détendre son... et sans son territoire, donc je vais le gober. En fait, c'est pas de l'agression, c'est de la pitié. Pour un pauvre petit pays impossible qui ne peut pas se défendre, victime de toutes les cruautés du monde. En Soxana, il est allié avec qui? Il est allié avec quoi? Kazan, Ormos, Delhi, Multan, ouais.
Ormuz a mis Sindh en rival. Très bonne nouvelle. Sindh, d'ailleurs, Sindh est allié avec... Je lui prendrais bien du territoire à Sindh. Il est allié avec qui? Malwa et Mewat. Malwa et Mewat. Ouais, j'attendrai qu'ils soient front alliés. Alpalitana, il est comme toi, il est jaune? Ouais, c'est un sale. Il a gobé un petit peu de territoire à l'autre. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, toi, t'es en paix? Bah ouais. Je refais moins de power. Ah, je peux faire une gouvernement de réforme. Local missionary strength. Kashan, gain missionary. Ouais, on s'en branle. Kashan. On va arrêter de convertir, ça marche pas. On va les convertir ailleurs. Ah, il y a le gouvernement de réforme. Donc je peux avoir max promoté de culture, plus 2 avec les Mughals, ça sert absolument rien. Monsi Autonomy Change, moins 0,05. Ça, c'est bien. Putain. Ah, les temps de conversion, c'est même pas la peine. Je vais même pas envoyer quelqu'un. Je me débarrasserai du centre de centre religieux Theravada d'ici peu. Enfin, quand même, combien de temps, on va dire. Enfin, d'ici peu, ça veut dire quand même 6 ans. Ah oui, t'as le temps de voir venir. Ah tiens, je peux recruter Ulema. J'ai recruté un inquisiteur. Nobody expect. Inquisiteur. Production efficiency. Non, bouge pas, mon gars. J'ai un inquisiteur, c'est pareil. Ah merde, parce que je prenne pas le mauvais. Parce qu'il y en a un qui me coûte 4,71, l'autre qui me coûte 10,59. Et surtout, j'aime bien recruter un inquisiteur chiite pour convertir les chiites au sunnisme. Voilà, on va faire celui-là. Oh non! La pluie est tombée, la pluie de la mousson est tombée dans l'océan Indien. Moins 20% de local tax modifier. Oh, dans les îles de l'océan Indien, c'est-à-dire les Maldives. Oh, je m'en bats les steaks. Les Maldives, faut que ça rapporte. Pourquoi ils sont pas contents? Pourquoi ils sont pas contents, les Dimi? Les mecs, ils sont pas contents. Pourquoi cette bande de connards? Oh, je sais pas, mais chez moi, il y a pas de Dimi. Ah bon, les Dimi, je pense que... Financièrement, je peut-être leur enlever leur territoire au final, les Dimi, ils vont casser les couilles. Voilà, les missionnaires, on les fait missionnariser. Faire des estates. Hein. Ouais, mais non, c'est une province de merde. Autriche a influencé Augsbourg. Qu'est-ce qui se passe? La Bourgogne se fait défoncer le cul par la Lorraine. Normal. La Bohème se fait péter le fion par la Saxe. Mais ce que j'aime bien, c'est si tu regardes, tu vois la carte de l'Europe ou pas? Non. En fait, t'as la Bohème et la Saxe, donc tu vois les trucs, mais sauf que la Saxe occupe les territoires côté Pologne. What, putain. Non, c'est pas les territoires frontaliers, non, c'est on va de l'autre côté. D'accord. Les missionnaires et missionnarises. Ah. Ah, 15% vers le mysticisme. Ah, oui. Ouais, putain, j'ai tombé à moins 26. Ah, oh, missionnaire Israël, plus 3%. Voilà. Là, on va convertir comme des porcs. Je suis en train d'annexer Sistan. Cassius Belli, Hormuz qui m'insulte. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi, les embargos. Donc, le Mamelouk. Oh, j'ai pas de diplomate. Bon, on attend un petit peu. Voilà, 2-4-2 et l'héritier 3-3-4. Ah oui, c'est vrai que je pouvais pas. J'avais pas ça. Non, légalisme. Légalisme. Non, on va attendre de faire, tu sais, le titre de califat et le dénoncement des pratiques de secte moins un local au nord-est.
Dans le légalisme, on va peut-être éviter. La trousse avec le Bengale a expiré. Ok. Je sais. Ouf. 20 vers le mysticisme. La trousse avec le Bengale. Ah oui, d'accord. Que je regarde un truc. Bah, si tu veux, tu peux m'inviter. Hein. Je suis en lassitude de guerre. Je suis à. Non, parce que quand t'es en guerre, lassitude de guerre, elle baisse pas. Ouais, mais justement, je suis à 0. Donc, au cas où, si tu es occupé, comme tu veux, sinon. Ok, j'appelle. Ouais. Comme ça lui fera du territoire à venir, entre guillemets, occupé, quoi. Et si vous s'éclatez. Mon mysticisme, je suis à combien maintenant? Comment ça, je suis qu'à moins 26? Voilà. J'ai appelé John pour qu'il puisse taper contre le Bengale. Moi, j'ai. J'ai chopé Sistan. J'ai une mission qui consiste à avoir des réparations de guerre par 3 pays. J'en ai que 2 pour l'instant. Ah. Ça serait bien avoir un 3ème pays que je pourrais drainer. Et piller, voler, exploiter, dévaster et intestiniment et faut plaisir aux oreilles. Sodomiser, ouais, mais je sodomise pas les territoires, moi. Non, mais le roi du territoire, voyons. Oui, ça marche qui va. Ok, ouais, je suis pas, j'ai annexé un de mes vassaux. J'en ai plus que 2. J'ai Ladakh et. Ladakh, va peut-être falloir qu'on lui dise, au fait, mon gars, je t'explique vite fait là. Ladakh. Je t'explique, tu vois, là c'est moi. Là c'est toi. Là c'est mes zones d'intérêt. Donc ça, je veux. Ça, je veux. En fait, tu vois ce qui est autour de toi, ouais, ben dis-toi que je veux. Donc après, il faudrait que je chope les territoires au nord, mais ça, est-ce que je peux lui demander de me vendre ses cartes à Spécor? C'est mon vassal, je lui dis, au fait, tu veux pas me vendre tes cartes? On va se marier avec lui, tant qu'à faire. T'as annexé Baglama, mais t'es trop un méchant. Légitimité, ah ouais, je suis assez bas. Quand même, mais... Alors, et ça baisse. Hein, à quoi sous cher maps? Ah, donc Bengal, bon, je pense. Ah oui, j'ajoute pour qui vient, donc comme ça, ils vont s'amuser avec Bengal, ouais. La Vassal Army, comme d'hab, ils font leur taf. Ouais, Delhi va forcément s'en occuper hein, après. Hein. Ou Sindh. Je vais m'occuper de Sindh. Ouais, Sindh, c'est... ce que je compte faire, c'est que dès que j'aurai forêt Gujarat, tu prendras la partie ouest de Sindh, je prendrai la partie est, celle qui est en Inde. Ouais, non, ouais. Les régions. Ah ouais, je prendrai Kala et Makran. Kalat et Makran, et en fait, ah ouais, donc toi t'as quand même la province de l'autre côté de. Ouais, toi tu prendras la Western India. Ça. C'est con qu'il soit pas arrêté, tu sais, à la frontière de l'Indus. En fait, c'est. Ouais, c'est un peu con. Tiens, moi c'est ça que je voulais faire. C'est... Ah, si, je peux pas faire d'embargo quand je suis en guerre, je crois, la blague. C'est ça, je crois. Oh ben, j'ai dû embargoter, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Karakunu, je suis embargo. T'as pas 20 ans, j'ai eu moins 20 productions, fait chier. Event de mousson de merde. Ah bah, ben ça. Je suis embargo. Tiens, après, j'allais faire une fucking insulte.
Un caractère, genre, je vais l'insulter, mais un truc, ça va être interdit au moins de 30 ans, Bah, en quoi. plus que maintenant, tu peux personnaliser l'insulte quand tu insultes un pays. C'est marrant. Ouais, comment on fait ça? Tu cliques Il a droit, pas d'ennemi, par sein contre. d'un insulte. Et quand tu as la scornful insulte, tu peux changer en plus random, tu peux faire random d'une insulte. Ah ouais, mais tu peux pas l'écrire, ouais. Quoi? Ok, elle est Il est mort abusée. le monarque? Il avait même pas 20 piges, ce con. L'héritier, c'est à Ah, c'est... 256, Elle est cool. putain. Plus 66 en pouvoir projection. Ouais. Hey Didi. J'aime bien. Mais c'est l'or, j'ai 865 marins. Je peux en faire 7 maximum. Ouais. Va peut-être falloir que je me fasse une flotte quand même, ce serait pas mal. Une barque. La barque, on peut la faire où? Là. Est-ce que je vais moins en faire? Par contre, c'est vrai que j'ai du fric. Ça, c'est pas mal, XPI. Oui, allez, j'aime bien. Large vie on the ocean. Tu sais, je commence à faire des navires. Oh là là, les gars, c'est super dangereux la vie en mer. Ah ouais? Oh, mais il y a 131 marins qui disent, ouais, non, je me casse. Bande de connards, va. Ah, une administrative tech. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, grâce à ça, administrative tech. Donc, les idées, on va prendre idées enfin, diplomatique. On va prendre les idées d'influence, je pense. J'hésite entre les influences et les diplomatiques. Parce que les influences. Ouais, si j'aurais toujours des vassaux. Voilà. Le caractère où je le mets en ennemi d'intérêt. Ce serait bien que Akyunus fasse défoncer par l'Ottoman. Oui. Ou que l'Ottoman ait une province, une frontière avec le Karakyunus, quoi. Viens m'aider, trou du cul. Viens m'aider, trou du cul d'allié. Après, la guerre à Karakyunus, dire à l'Akyunus tu prends du territoire et ça l'occuper, ensuite tu fais un gros fuck. C'est peut-être assez drôle, effectivement. Ah, mais ce qui est chiant, c'est que c'est un coup. Ouais, limite, je fais ça. Ouais, mais je suis pas encore prêt à faire la guerre à. Je fais 14 000 de manpower. Je vais me faire ma troisième armée. 14-14. Est-ce que je peux en faire une à 14 encore? 9. Ouais, je vais m'en faire une à 14. Donc, c'est 12 et 2. 2. 8. 2. Eux, on va les faire driller. Je vais regarder vite fait parce qu'il suffit que je drille pour que ces connards de. De rebelle pop. Non, pour que Bamanis arrive chez moi. Bah tiens, ils arrivent à la DAC. Non, les rebelles, c'est bon. T'as les Moussachan à 70%, donc ça, c'est bon. Non, ils vont à la DAC, les mecs. Histoire de changer. Histoire de bien me casser les couilles. Pourquoi c'est vous toujours à l'ADAC? Qu'est-ce qu'il y a de si important à l'ADAC? Il doit avoir des putains de stripteaseuses avec des boobs interdits au moins de 30 ans tellement il y a de mi-bar. Ah, je sais pas, vous savez ça, hein. Oh, les pauvres! Ouais, bah tu m'étonnes. Ils... Non, en fait, ils sont pas en train d'essayer de me conquérir, ils sont en train d'essayer de venir. Ah, c'est bien, ils ont décidé de casser les couilles à. Ah. Mauve 15 Towards Mysticisme. Que j'ai vite fait, est-ce que ça compte, la religion? Ah, voilà, moins 41 en mysticisme. C'est bien. Missionnaire extra de ton missionnariste, voilà, 98. Converti à 3-6 par an, ouais, c'est à part moi, c'est bon. Voilà, mon armée arrive à Kandahar. Ah, et là, je peux faire la mission India Dread. Oh, j'ai mon général 4-5-3-1 là. Voilà.
Parfait, ma zone, je vais commencer à m'étendre, conquérir le Punjab, contrôle le Lower Persia, le Upper Persia, les Eastern Steppes. Ouais, c'est bon, là, j'ai plein de... Je vais les mettre des baffes un peu à tout le monde. Les conversions. On va convertir. C'est Havas qui risque de se rebeller? Ouais, ben tant qu'à te rebeller, mon gars, tu vas te rebeller, mais on saura pourquoi. Voilà. Mais 42 000 hommes, ouais, ça devrait être suffisant pour m'occuper de Karakunlu. Tiens, ça a fait le ting-ding quand? Ah, bah t'es au courant qu'il a fait 5 minutes qu'on a fait le ting-ding de fin Ah d'épisode? bon? J'ai Ouais. pas entendu que c'était une game, moi. Bon. Moi non plus, je sais pas, on devait être occupé à autre chose. Bah, je te laisse mettre la pause. Moi, j'ai regardé vite fait. Karakunlu, pense-toi. Karakunlu. Ah oui, il a quand même 27 000 hommes, cet enculé. Bon, j'en ai 42 000. Voilà. On Ouais, fait la je pause. pense, nickel. Donc, ouais, prochain épisode, je pense, sera déclaration de guerre à Mazandaran. Je m'allie avec Akunlu. Je m'allie avec Akunlu. Je déclare la guerre à Akunlu en invitant Akunlu en disant t'auras du territoire. Si Akunlu survit à la guerre, c'est jamais sur un malentendu, hein. S'il survit à la guerre, je lui fous du territoire. Et quand l'Ottoman déclare la guerre à Akunlu, voire même après, je dis Akunlu, maintenant, va te faire têter les yeux, espèce de PD. Et je me débarrasse d'Akunlu. Parce que l'Ottoman, si vous regardez la map, l'Ottoman, il est un peu déclin sur Akunlu. Donc, j'ai pas envie de me mettre l'Ottoman à dos et de risquer de perdre mon alliance avec l'Ottoman. Parce qu'entre Akunlu et l'Ottoman. C'est vite décidé. Non, voilà, c'est un peu comme si Sirikar, on disait, t'as le choix entre t'aller avec le Timouride ou avec Cam. Bah, je pense que, sauf malentendu, il y a des chances qu'il reste allié à moi. C'est vrai que maintenant, ouais, j'ai mes 42 000 hommes, j'ai 7 200 de manpower. Ça commence à être pas mal. J'ai 332 par mois. Non, on est bien. On est bien. Je vais les mettre sur la gueule. Maintenant que je regarde. Ouais, si vous regardez aussi. Alors, Serikai, vous regardez le Vijayanagar des Clèmes. Bon, il en a un petit peu. Pas beaucoup. Et si vous regardez le Timuride de les Clèmes. Transoxania. Et on va les mettre sur le coin de la, sur le coin de la gueule de Delhi. On va les défendre. T'inquiète pas, les Après, clèmes. c'est un des prochains objectifs. Les clèmes, c'est par mission hein, que je les ai. Ouais, moi aussi, hein. J'en fabrique pas. Si j'en fabrique, je suis en train de. Ah non, je voulais les faire sur Sine, je les fabrique pas. Là, ah bah t'as vu au fait avec qui allier Delhi? Avec Gujarat. Delhi? Ah oui, Delhi, t'es avec Mais Gujarat. non. Mais non, il est pas allié avec Gujarat. Ah non. Nagore, T'as vu avec qui l'allier? Bengale et Transoxiane. Et Transoxiane est allié avec bon Kazan, Hormuz, Delhi et Multan. Donc je pense qu'on va se taper une petite guerre contre Delhi. À savoir, ben Delhi je défonce, Transoxiane on le défonce aussi. Enfin, on défonce Transoxiane, on laisse Delhi s'amuser dans mon territoire. Toi tu. Mais il faut attendre que Serikai puisse aller mettre des claques à Bengale pour pouvoir prendre des provinces à Bengale. Mais pour l'instant, t'as pas encore de claim là-bas, je Non, crois. ça sera un peu plus tard. C'est ton regard de mes Voilà. missions. Et ça va être en mode on leur tombe dessus, quoi. Parce que Transoxiane est allié avec Kazan, Hormuz, Delhi. Donc Kazan, déclarer la guerre à Kazan, ça va être tendu. Delhi, moi, ça peut être gros. Parce que ce qui serait bien, c'est un peu de l'affaiblir. Multan, c'est un peu loin. Mais sinon, Hormuz, l'avantage d'Hormuz, Hormuz est allié avec Dawazir et Transoxiane. Donc Dawazir, c'est ce pauvre truc-là qui est au milieu de rien du tout. Donc c'est un peu pétage. Ouais, je pense que je ferais ça. Je déclarerai la guerre à Hormuz. En mettant, je me mets de l'autre côté de la terre là, sur Mogostan et les mecs, ils passent plus. Ils peuvent plus débarquer. Je vais défoncer Transoxiane en mode je suis un violeur de hamster. Ou toi, limite, je t'appelle dans la guerre. Avec ta flotte, tu bloques le détroit. Parce que moi, ma flotte, t'oublies. Tu bloques le détroit. Je vais défoncer les autres là-haut. Hormuz, en contrepartie, je le raquette comme un porc.